monsieur, des jeunes, des haïtiens conséquents pays. C'est l'institution, dans toute institution qui toujours été en marche. Nous félicitons, nous pour courage, nous force. Je ne j'en dis, nous le pays nous Haïti chéri a converti en champ de guerre. Côté c'est sous tête pour nous, avec tête c'est nous avons marché dans la rue. Côté nous, bah, nous avons regardé dans la télévision, c'est chèque à manger moun comme au plan du jour dans la rue. Je ne j'en dis, monsieur, à trompette la sonne, et soit l'ombie en sonne, Abraham dit, assez c'est assez. Nous jeunes nous l'ont impasse. Tout qui a quitté le pays a obligé de prendre une décision, nous dit, liberté ou la mort. Je ne j'en dis à monsieur, parce que le président Matin, pour le parler, pour le faire nous bagailler en détail. Positionnons-nous comme un parti politique, positionnons-nous avant tout comme des citoyens concernés. Merci. Peter Delatour, vice-président, force démocrate, haïtien intégré. Haïtien. Sans doute, vous ne pas ignorer la position du pays. Parce que si nous avons ignoré, jamais dit nous pas là, et même nous qui parlons là, connaît la condition du pays d'après le président. Nous ne pas supposer qu'on a la légère. Et je dis à là, le vice-président se dit à là, nous avons une situation de vivre bien pour nous. C'est une honneur. Et nous faisons choix ça pour nous aider là, la donne avec le peuple là, au lieu de nous évacuer le pays, comme tout le monde essaie d'évacuer le pays dans le moment. Dans une lettre ouverte que nous avons envoyée par M. Biden, président des États-Unis d'Amérique, qui datait 14 janvier 2022, nous avons exprimé l'urgence que nous avons que nous avons aujourd'hui. Quand nous avons annoncé que ce combat a été fait le 27 février 2022, le pays a tapoil sauté parce que c'est du feu à tapoil mettre dans la boîte poudre là. Qui a créé l'explosion ça, avec résultat qui a affecté non seulement le pays d'Haïti, mais qui a affecté également la région Caraïbes. Alors maintenant, 2 ans et 2 mois plus tard de l'aide ça, regardez ça Haïti tout le jour. Et plus particulièrement, capitale pays d'Haïti. Côté, c'est sous cadavre n'a pas marché, cadavre tourné décoration publique. Côté quartier tourné, une zone après la guerre, pendant que son guerre qui fait commencer pourtant, que nous relions une guerre civile. Quartier boulé, yo détruit. Côté où senti c'est dans une ville zombie que nous y est. Côté peuple là, frère a tué frère, soeur a tué frère. Pendant que toute une équipe législateur en dehors du pays a chita, y a gardé. Avec indifférence problématique, garçons, femmes, à Timon, pays d'Haïti, qui vivent et obtiennent une solution dans la providence. Est-ce que c'est nous-mêmes seulement haïtiens qui t'a dû prendre contrôle du pays? Est-ce que c'est nous-mêmes seuls haïtiens qui t'a dû prendre contrôle destin? Je dis, la question nous t'a dû poser tout haïtien. Qui conscient de côté où sorti, qui conscient de héritage que les ancêtres qui étaient pour nous, je dis à la, nous t'avons quoi que réponse c'est oui. Et si réponse c'est oui, n'a noté témoignage, position peuple haïtien, je dis à la, en réaction à ça qu'a fait la loi. Parce que peuple là, dit mes côtés liés, il dit mes qui s'allent, il dit mes qui s'allent pas vle. Nous tout, moun qui campé, cap dénoncer une situation, nous pas là seulement en Haïti. Nous avons diaspora haïtienne aux États-Unis, Canada et également en France qui campé dans la rue tout pour manifester, pour dire mes ça que vous voulez pour peuple là, pour pays.
Moi, je pense que en tant au monde qui comprend, ça veut dire la démocratie, bien que son pratique que nous toujours la donne, parce que beaucoup j'aime car réellement jouer démocratique. Nous toujours dans l'œuf dans la démocratie ça. Mais si nous comprenons, nous supposons tendre direction que le peuple a besoin. Nous supposons tendre Jean peuple a souffri, Jean peuple a prié, qui s'est livré pour le sortir dans sa gueule. Au lieu de ça, malheureusement, nous constatons que CARICOM, alors que peut-être il pensait que c'était une bonne intention pour l'impliquer, j'en l'impliquer dans la cause de ça, mais voilà plutôt CARICOM a venu jouer un rôle qui plutôt montrait que il campait contre le peuple là. Il n'est pas réellement en faveur du peuple. Les lire étaient carrément que d'accord pour le présenter nous. Le conseil présidentiel de 7 membres, 71% là-dedans. Ok, c'est représenter 38 années de ce passé là qui mettait nous côté nous aujourd'hui. Décision irrationnelle ça, de nous imposer un conseil présidentiel de 7 membres et plus d'observateurs, ok, qui est soutenu par un groupe d'intérêt spécial dans CARICOM. Si nous d'accord pour aller dans la direction ça, nous tous nous supposons complices à résultat captain nous pi devant. Je dis à là, nous pas besoin de divinor, nous pas besoin de mambo, nous pas besoin de gant pour nous garder gens ça qui fait là pour nous deviner qui gens fait à pied. Nous déjà ouais résultat. Peuple haïtien, comme nous déjà remarqué, complot politique qui cachait derrière finalité création communauté Caraïbes là, qui initialement qui était pour objectif création, développement social, économique et culturel dans Caraïbes là, je dis à CARICOM présenté comme un médiateur politique côté le destin pays banois dans même. Je dis à Mabrapin, CARICOM composé de 15 pays membres, dont Haïti, il y a plus de population, parce que tout le monde 14. Un total de population de 18 millions, Haïti, il y a environ 12 millions. Ce 6 millions éparpillés à travers 14 pays membres. Je dis à là, nous avons une histoire qui définitivement montre au peuple du monde que nous sommes un seul pays libre et indépendant. Et je dis à la 2024, la prédicte est toujours. Je dis à nous dit non à CARICOM. Nous dis à CARICOM, qu'on campe. Quand on voulait aller à Albabon, ou pas qu'à même bien attention qu'on est là pour installer, penser à installer un gouvernement de 7 membres qui composé de monde qui cause ce que nous vivons là aujourd'hui. Sont insultes à la nation, sont insultes au peuple haïtien. Je dis à là, nous faisons écho à la voix du peuple. Peuple a besoin de direction. Nous ne pas sortir, nous ne pas égarer. Si on peut pas souffrir aussi longtemps, je l'ai souffert, il faut nous attendre des cris pour nous voir si nous comprenons. Je dis à peuple a fait un choix. Par contre, nous rejetons catégoriquement le conseil présidentiel cette même et nous proposer un conseil de 3 membres avec un mélange institutionnel, avec un mélange politique sympathisant qui doit refléter sur la plus grande majorité. Ainsi, nous proposer M. Guy Philippe, qui est acclamé par le peuple haïtien. Deuxièmement, nous proposons Mme Hertha Pascal Trouillot ou bien un juge de la Cour de cassation. Et troisièmement, nous disons que un membre de l'initiative du 5 mars 2024 qui représentait au moins Petite Dessalines et 125 à peu près environ partis politiques qui la donnent, qui représentait réellement revendication.
Nous propositions comme ça, il n'est pas partisan, messieurs, dames. Il est basé sur une observation clé d'évangile qui reflétait revendication populaire. Une revendication justifiée par instabilité sociale, politique et économique pays. Position nous claire et nous demandons nous tous qui inquiétait nous et qui affectait par la crise qui vient transformer en guerre civile aujourd'hui pour nous supporter l'initiative non, qui t'a amené nous dans une injonction contre CARICOM si que t'a continué insister pour l'aller dans la direction. Étant du côté de la Constitution, qui malheureusement a été mise en veilleuse, nous invitons l'ex-sénateur, M. Jovenel, pardon, vous changez monsieur, malheureusement, c'est pris ça qui est une lié et qui est dans le ça je dire. Nous invitons l'ex-sénateur, M. Moïse Jean-Charles, et les signataires du 5 mars 2024 et autres, à nous rejoindre. Car nous-mêmes, nous rejetons catégoriquement et totalement disposition, proposition CARICOM pour l'avancer dans l'installation de sept membres du conseil présidentiel. Qui sont une forme ou sont l'autre, qui est membre de des dernières 38 années, monde qui est responsable à côté de nous aujourd'hui. Toute cette qui favorise le chemin qui peut le faire nous tourner dans un état de droit, t'as dû mettre tête ensemble pour nous déclarer ensemble, collectivement, décision inacceptable. Car comme ça, nous pas acceptable et nous pas avancer avec. Parce que nous pas accepter car comme valider pour nous, ça qui est invalide pour nous. Je dis à son choix que nous supposons que nous courage à nous. On nous dit non, cette fois-ci, nous ne pouvons pas parler de tout. Tout le monde a joué 4. Haïtien, je dis, a joué 4. Et si nous jouons là, tout le monde a attendu nous, tout le monde a respecté le choix du peuple haïtien. Il a été dit, il est béni, peuple haïtien. Nom c'est Dr. Eddy Delalleux, on fait l'urgent. C'est secrétaire général, parti politique, force démocratique, haïtien intégré, FDH. Merci. Merci. Monsieur, plus bien. Créole pour moi, chapeau, parce que nous, on a tout corridor, on a tout coin, quel que soit côté événement, créole pour moi là. Créole pour moi, chapeau, félicitations, nous ne pouvons jamais bouquer, félicitations. Créole pour moi, SPS, son choix qu'il dit. Bon. Créole pour moi, SPS, son choix li. Et moi, c'est créole pour moi, SPS, fait choix baldo. Nous vous remercions. Nous vous remercions parce que vous abonnez avec créole pour moi, sans grand souffle. Et nous vous remercions tout parce que vous suivez Chanel. On sous plus gros plateforme, plus bon plateforme. Plateforme qui est là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui est là pour le bon bagaille, Jean Yoyia. Toujours abonné, toujours partagé. Toujours commenter et n'attendons pour demander qui sont besoin, qui sont à aimer et qui sont plus tôt. Créole pour moi, sans qu'on souffre. Ciao.